des amas de voitures sur une avenue toujours inondée, stigmate de la violence du déluge qui a submergé Shenzhou dans le centre de la Chine. L'équivalent d'une année de pluie s'est abattu en 3 jours sur la métropole de 10 millions d'habitants. 33 morts et 8 disparus, c'est le bilan revu à la hausse ce jeudi par les autorités pour l'ensemble de la province du Henan. Dans la capitale régionale, à 700 km au sud de Pékin, les secours s'activent pour déblayer et évacuer l'eau toujours présente dans plusieurs quartiers. Une ligne de métro a été entièrement inondée. Les transports publics sont toujours à l'arrêt. Les habitants font également face à des coupures d'eau et d'électricité. Plus de 370 000 personnes ont été forcées de fuir leur logement. En outre, la menace d'une nouvelle montée des eaux continue de planer. La météo annonce de nouvelles pluies avant une accalmie vendredi.